bien de relever, hop là, de relever un peu. Non. Arrêtez la vidéo, non, je suis là. Hop là. Okay, je vais réajuster un petit peu mon ordinateur. Voilà. Super. J'ai pas le même recul. Bonsoir à tous et bienvenue au live du jeudi by Armelle. Si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un coucou. C'est toujours plus agréable pour moi de savoir que je ne suis pas seule. Je ne suis pas en train de parler toute seule. Voilà. Donc, je vous laisse venir tranquillement. En tout cas, si vous êtes là, je vois que sur Facebook, il y a 4 personnes qui me voient. Je serais ravie que vous... Ah, Fanny! Comment ça va? Hello, Diane! Sur Facebook, bienvenue dans ce live. Je vois qu'il y a des habitués, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de faire des choses dans lesquelles on sait que ça sert vraiment, c'est vraiment utile, ça profite aux gens, ça me nourrit vraiment. Donc, votre présence et vos commentaires sont vraiment les bienvenus. Oh, super, on va laisser un petit peu les autres venir, mais déjà, bonjour Angélique. Ça fait longtemps et ça fait plaisir de te voir sur Instagram. Je te souhaite la bienvenue. J'espère que vous m'entendez tous très bien. Christelle, hello. J'espère que tu te portes mieux. Bienvenue dans ce live. Et le live, c'est... en fait, ce n'est pas les 4 étapes. Parce que j'en ai trouvé une encore en plus que je vais vous offrir. Qui est ressortie en séance individuelle. Donc, je vais vous la partager. Les 5 étapes pour surmonter vos complexes physiques. Oh, que... La beauté des îles, eh ouais, je viens des îles, et alors, c'est mon pays. Et coucou Amos, bienvenue. Ah, c'est live tant attendu, je vous laisse venir tranquillement. Mais déjà pour celles qui sont déjà là, il y a peut-être... La question que je me pose, c'est... qu'est-ce qui vous parle dans le sujet de ce soir, quand on parle de complexe physique? Qu'est-ce qui est difficile et compliqué pour vous? Je suis vraiment curieuse, je pense que ça construira aussi le live. Et ça me permettra de répondre aussi. Si vous voulez bien mettre un commentaire, de qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous par rapport au physique, par rapport au complexe physique? Qu'on a chacun notre représentation de ce qui est complexe pour nous. Je serais vraiment ravie de vous lire. En attendant, j'attendrai que les gens arrivent. Oui, voilà, il est 36. Donc, moi, je serais ravie de, ouais, d'avoir vos commentaires avant de commencer. Quand même, ce serait assez curieux de voir vos retours. Qu'est-ce qui est complexe pour vous? Donc, ce soir, c'est les lives, le live du jeudi by Armelle. Et c'est les 5 étapes pour surmonter votre complexe physique. Alors, Angélique qui me dit, je vais noter ça quelque part, pour être sûre de ne pas oublier. Qui dit, la peur de jugement des autres sur mon corps et le regard des hommes. Oui. Et pas le regard des femmes, du coup, Angélique, ça c'est... Parce que là, tu m'as dit vraiment le regard des hommes. Bienvenue, Émilie. Alors, j'ai déjà commencé à poser une question, si toi aussi tu veux bien. Et la question, c'était, qu'est-ce qui était difficile pour toi? Qu'est-ce qui est difficile pour toi par rapport au complexe physique? C'est quoi qui est compliqué pour toi? Alors, il y a Fanny qui dit un sentiment de dévalorisation. Ok, aussi. Mmh. Christelle qui me dit, les gens jugent beaucoup sur notre apparence. D'accord. Enfin, tu parles de toi. Tu es en train de me dire que tu as le sentiment que les gens jugent sur ton apparence. Mmh.
Alors, Angélique qui me dit, les regards des autres en général, mais encore plus lors du début d'une rencontre, d'une relation avec les hommes. D'accord? C'est vraiment au niveau de la notion de la séduction. De est-ce que j'ai confiance en mon sex appeal ou pas? Est-ce que j'ai confiance en mon pouvoir de séduction ou pas? Ça va être très intéressant ce live. Alors, du coup, je souhaite vraiment que ça puisse t'apporter quelque chose. Alors, je vais commencer. Les gens, les autres vont nous suivre, vont nous rejoindre tranquillement à leur rythme. D'accord? La question qui se pose, c'est à quel moment vous avez considéré que vous avez un complexe physique? À quel moment vous avez considéré que votre physique poser un problème. C'est intéressant en fait d'aller voir la racine de à quel moment est-ce que je me suis interrogée sur cette question par rapport à moi. Et c'était intéressant que ça m'a vraiment ramenée dans le fil où je me rappelle à Madagascar, j'étais au lycée et j'avais ma meilleure amie était une asiatique chinoise avec les cheveux magnifiques, super longs. Et pratiquement tous les mecs de la ville dans laquelle j'étais voulaient être avec elle tellement elle était belle. Elle avait la réputation vraiment de... Voilà. Et moi, à côté de ça, c'était vraiment le désert, quoi. J'avais vraiment personne. Et je pense qu'à ce moment-là, à l'adolescence... Ah, toi aussi, Fanny. À ce moment-là, à l'adolescence, à cet instant-là, je me suis dit que mon physique posait problème. C'est-à-dire que du coup, j'ai modélisé, j'ai vu le modèle de séduction de Désir chez elle, qui était une femme qui avait un visage. Elle avait la peau porcelaine, une belle chinoise comme ça. Elle était grande, magnifique. Je me suis dit, étant donné que moi, j'avais une peau très, très acnéique, j'ai considéré du coup que tout ce qui ne lui ressemblait pas était devenu un problème. Et c'est comme ça que j'ai développé un complexe physique. C'est-à-dire que, pourquoi je vous en parle? Parce que franchement, en même temps que je vous fais le live, je prends conscience que le complexe physique, il naît déjà de la comparaison. C'est-à-dire, il naît du fait qu'on pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal en soi ou qui n'est pas fini en soi, qui fait qu'on a des désavantages. On a un manque d'amour, on a du rejet. Et donc, moi, j'ai associé le sentiment de rejet avec le fait que j'ai une problématique physique. Alors que ça n'a absolument rien à voir en réalité. Le sentiment de rejet, de ne pas me sentir désirée par les jeunes hommes de mon âge, enfin, quand j'étais adolescente, pouvait aussi venir du fait que je n'étais pas disponible parce que mes parents étaient en plein divorce, moi je n'étais pas dedans du tout, j'étais perdue moi-même, j'étais peut-être pas ouverte moi non plus, pas disposée ni disponible, et j'avais tellement de rancœur dans mon cœur que certainement que je ne donnais pas envie non plus en fait qu'on m'approche. Et en fait, peut-être que ça, c'est vraiment l'explication, mais le cerveau va faire une association très simple parce que visuellement, on va voir quelque chose, on se dit, waouh, les gens aiment ça, les gens aiment ceci. Donc, vu que je ne suis pas ceci ou cela, j'ai un problème. Et tout ce qui ne ressemble pas à ce critère-là devient un problème et un complexe physique chez soi. Donc, c'est vraiment intéressant déjà de pointer du doigt que... Le complexe lui-même est né d'une mécanique que nous-mêmes nous mettons en place, qui est la comparaison à l'autre. Et c'est sûr que quand on est dans la comparaison, on est complètement dépossédé de ce que nous sommes, dépossédé de la beauté que nous sommes. C'est-à-dire que notre regard n'est plus retourné vers nous, mais le référentiel de la beauté devient autre chose que ce que nous sommes. Donc, on en parlera vraiment... de ça tout à l'heure justement. Et pourquoi il y a des sujets qui me parlent vraiment dans lequel j'ai créé des ateliers. La notion du changement, c'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme Créer votre propre changement, parce qu'il a fallu vraiment que je métamorphose ma vie, que je fasse vraiment un switch et une bascule dans ma vie pour aspirer à vivre la vie que je vis aujourd'hui et de me sentir libre, me sentir en paix. Il y a eu un long chemin pour moi, c'est vrai,
Et mon intention est de vous offrir justement un parcours beaucoup plus court dans une vision globale justement dans ce programme. Il y a aussi un autre thème, l'atelier sur la confiance en soi aussi, fait partie d'un parcours, ça a été le fruit d'un parcours aussi pour moi qui fait qu'aujourd'hui je me sens en confiance avec moi-même, en confiance avec l'homme, en confiance avec les autres, en confiance avec la vie. Et c'est encore toutes les pépites que j'ai tirées de mon expérience que je vous partage dans mes ateliers. J'aime, c'est la deuxième fois, ou je crois, ou la troisième édition, dans lequel je fais un atelier sur la notion du corps. Pourquoi, en fait, c'est important pour moi de parler de la notion du corps ? Tout simplement parce que ça a été un réel problème pour moi, en fait. Adolescente, ça a été très, très, très compliqué pour moi parce que j'avais la totale. Non seulement j'avais le visage acnéique, mais ce n'est pas des acnés que j'avais sur le visage. J'avais des furoncles, en fait, sur le visage, qui fait que les gens, ils ne m'embrassaient même pas, en fait. C'était vraiment... Donc ça n'allait pas. Au niveau dentaire, ça n'allait pas parce que moi, je suis née prognate. Si vous ne connaissez pas ce mot-là, prognate, ça veut dire que j'ai la mâchoire supérieure qui rentre et j'ai la mâchoire inférieure qui ressort vraiment. Et je me rappelle à Madagascar, ils ont dit que la solution c'était déjà la chirurgie, quoi. Il fallait couper les os, chose que j'ai jamais osé faire. Bienvenue petite fleur. Et puis du coup j'ai passé mon adolescence avec mes acnés et aussi mes appareils dentaires parce que j'avais une espèce de ferraille là sur le visage dans lequel j'avais un appareil dentaire et on tractait avec des élastiques, il fallait tirer ma mâchoire supérieure pour qu'elle sorte. Ça a été vraiment une adolescence très très éprouvante dans lequel je me suis sentie moche, je me suis sentie laide, je me suis sentie pas aimée, mise de côté, enfin tout ça. Donc ça a été dur quand on est entouré de personnes qui sont très vivantes, qui ont des relations... Puis on est là et puis on se dit, ben en fait, ça ne se passera pas, quoi. Ça ne se passera peut-être jamais pour moi et ça ne se passera pas, en fait. Et c'était difficile de dire qui va m'aimer avec ce visage-là. Et donc, j'arrive en France. Immédiatement, on m'a mis sur Roaccutane parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais après Roaccutane, quand ma peau a séché, les crevasses étaient là. Donc, j'avais les traces, en fait, les stigmates de cette acné très poussée que j'ai eue. Donc j'ai eu 4 interventions sur le visage pour reconstituer une peau la plus normale possible. Et au bout de la 4e intervention, mon chirurgien me dit « Armel, il va falloir arrêter. Il va falloir accepter ton visage tel qu'il est parce que sinon on attaque l'os. » Voilà. À partir de là, j'étais face à une situation où je me suis dit « Waouh, là il va falloir que je m'accepte avec ça. » C'était pas évident, surtout quand on rencontre les gens, c'est le visage qu'on voit en premier. Donc croyez-moi que mon estime de moi et ma confiance en moi étaient à zéro, hein, et à moins zéro, hein. Donc c'était très très compliqué pour moi. Ça a été tout un chemin, ça a été tout un chemin. C'est pour ça que ce sujet-là est important pour moi. Donc vous allez me dire, oui, mais on ne voit pas Armel sur ton visage. C'est ok, moi je le vois tout le temps. En fait, quand vous me voyez en vrai, vous le voyez. Mes cicatrices, elles sont là. Il y a des moments, l'hiver, où c'est beaucoup plus visible. L'été, forcément, je suis un peu plus bronzée, donc on le voit moins. Mais aujourd'hui, je vis avec ça. Ce n'est plus un complexe physique pour moi. C'est une caractéristique que j'ai aujourd'hui, qui fait partie de moi et qui a construit la femme que je suis aujourd'hui. Parce que grâce à ça, j'ai développé d'autres qualités qui fait que je vais vous en parler tout à l'heure, qui fait que du coup, je me suis servi de ça pour être vraiment, pour grandir d'être gagnante en fait de cette expérience. Parce qu'il y a un moment donné, quand on ne peut pas changer les choses, il y a des parties de soi qu'on ne peut pas changer. Avoir là, c'est plus possible, il va falloir que je vive avec. On est ok. Les dents, c'est ok, on a fait le max, on ne peut pas aller plus. Donc à moins qu'il faut que j'accepte de faire une chirurgie, mais non. J'ai pas envie de ça non plus. Donc, à un moment donné, ok, comment
La question qui se pose du coup, c'est comment je reconsidère la beauté. Je ne peux pas demander à quiconque que ce soit, coucou Matt. Je ne peux pas demander à un homme ou à n'importe qui, ou même une femme, le regard de quelqu'un, de trouver que je suis belle alors que moi-même, je ne le considère pas. Donc, vous ne pourrez jamais trouver réparation dans le regard de l'autre. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais attendre qu'un homme valide que vous êtes belle ou beau si vous-même, vous ne le faites pas. Vibratoirement parlant, ça ne peut pas être possible. Voilà. Donc, à moins que vous voulez vivre cette expérience, à quel prix ? À quel prix, en fait ? Donc, ça a été vraiment assez incroyable parce que j'ai fait tout un travail sur moi pour me réconcilier avec mon corps, accepter mon corps tel qu'il est. Et du coup, c'était vraiment assez intéressant parce que ça m'a appris à m'écouter, ça a appris à savoir être là dans mon corps, à collaborer avec mon corps, à apprendre à être en bonne compagnie, être le meilleur ami, le meilleur soutien pour moi, pour mon corps. Et aujourd'hui, je me sens vraiment bien parce que j'ai développé énormément de choses à côté, dans ma sensualité, dans le fait de prendre soin de moi, de mon corps. Je pense que je ne l'aurais pas fait autant si je n'avais pas eu ça, si je n'avais pas traversé ce complexe physique-là. Je ne pense pas que je serais la personne que je suis aujourd'hui. Et en fait, c'est assez hallucinant parce que quand je suis retournée au pays, à Madagascar, il y a 6 ans de cela, ben, j'avais l'impression que moi, j'étais toute belle, toute pimpante, que j'étais vraiment une réelle bonasse. Et parce que, voilà, ben, parce que j'ai revu les personnes là-bas et elles n'ont pas eu ce déclic comme moi parce que mon histoire a fait que je lui ai pris soin de moi et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et elle, non, en fait, la beauté était quelque chose d'acquis. Donc, il y a, pour moi, en tout cas, aujourd'hui, j'arrive, je suis toute mince, toute belle. Et j'étais vraiment contente. Quelque part, au fond de moi, mon ego était nourri. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, vraiment, dans ce live, c'est de vous partager ce qui m'a permis de faire le switch. Parce que c'est mental, en fait. Vous voyez bien, quand vous... La naissance d'un complexe physique est mentale, elle devient émotionnelle après. Mais à un moment donné, c'est juste, on se dit quelque chose qui n'est pas vrai. C'est ça le truc. Donc, je vais vous partager les 5 étapes. Et en fait, si vous voulez, vous faites les exercices vraiment. En séance individuelle, je pratique ça aussi. Et vraiment, il y a des transformations chez les gens. Donc, vous allez voir que ça marche vraiment super bien. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire d'ailleurs après le live si vous le faites. Il y a aussi autre chose que je vois en séance individuelle qui est important, c'est que, mais je l'ai noté parce que je pense que ça doit concerner pas mal de gens, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont dans le complexe physique, un complexe physique dans le sens de j'ai un surplus de poids, d'accord, et je voudrais maigrir. Et parfois, la difficulté même, c'est que la personne, encore une fois, projette, elle a une projection de son corps qui est différente de son poids d'équilibre. C'est-à-dire que parfois, les personnes vont créer eux-mêmes un complexe physique parce qu'ils vont se dire, ok, moi je projette, j'avais une femme qui est venue me voir comme ça, elle se projetait très 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 fine, alors que déjà quand on voit l'ossature qu'elle a, c'est impossible. Donc, je vous en parle parce que parce qu'il y a un moment donné, même si on a envie de perdre du poids, on a besoin de revenir vers quelque chose qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire que d'accepter son corps tel qu'il est, de se réconcilier avec ce qui est là. Ce qui est là, on ne sait pas le poids d'équilibre dans lequel nous sommes, on ne sait pas quel est notre poids d'équilibre. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'à un moment donné, quand notre corps nous stabilise, on a besoin aussi d'accepter que ce corps-là, c'est le vôtre. Donc, j'en parle parce que c'est super important et j'en parle beaucoup plus largement justement dans le programme « Mincir naturellement ». Vous pouvez aller voir ça sur le site si vous voulez. D'accord ? Donc, autre chose aussi que j'ai noté qui est aussi intéressant, c'est qu'on parle de complexe physique et en même temps, à quel point c'est relatif. Parce que les critères de beauté sont vraiment relatifs selon les cultures dans lesquelles nous sommes, les pays dans lesquels nous sommes. C'est totalement différent. Je me rappelle quand j'ai travaillé en tant que chef pâtissière à un moment donné pour un milliardaire sur une île.
on était dans les îles, dans les Caraïbes. Et là, j'étais tellement mince, filiforme, que les gens pensaient que j'étais malade, que j'avais une maladie. Pas du tout, en fait. Mais tout simplement parce que les critères de beauté de l'île étaient des femmes avec des formes, des vraies formes. Donc, en fait, c'est tout est vraiment relatif. Imaginez que vous êtes en Chine et qu'en Chine, tout le monde a le nez plat, comme moi. On est d'accord. Donc, en quoi est-ce que c'est un complexe? Quand on est dans un collectif, notre regard, on peut se comparer, on se voit dans l'autre. Donc, quand on se voit dans l'autre, on dit « Ah, c'est normal ». Et quand c'est normal, on dit « Il n'y a pas de complexe physique ». Mais quand on ne se voit pas dans l'autre, mais qu'on voit que l'autre a un avantage qu'on n'a pas, on considère qu'on est un problème. Non, en fait. Non. Et c'est ça que vous avez besoin de changer. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir quelque chose de plus. Si vous ne l'avez pas physiquement, ça ne veut pas dire que vous avez un problème. Ça veut dire que, ok, cette personne peut vous inspirer. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, ouais, je peux modéliser cette personne dans ce que vous aimez chez elle. Et se dire, ah, ben, comment je peux prendre soin de mes cheveux, de ma peau, de... Voilà, comment j'ai besoin de me complimenter moi-même. Et à ce moment-là, les choses changent. À ce moment-là, les choses changent. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas des points de caractère physique en vous que ça constitue forcément et nécessairement un problème. La blessure, vous pouvez vous sentir rejeté. Mais vous avez uniquement besoin de travailler, de déprogrammer votre blessure de rejet. Vous avez peut-être besoin de reprogrammer dans vos mémoires cellulaires la confiance en soi ou l'estime de soi. C'est un fait. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que vous repoussez les gens parce que vous avez un physique ou un faciès ou vous êtes trop petit ou trop grand. Non, en fait. Non. Parce que vous allez voir dans l'un des points que je vais parler tout à l'heure, qu'est-ce qui met en lien l'être humain? Qu'est-ce qui fait vous-même? Qu'est-ce qui fait que vous appréciez quelqu'un? Vous rencontrez quelqu'un, ça peut être un ami, une amie, ça peut être aussi votre compagnon. Qu'est-ce qui fait que vous appréciez cette personne? Vous appréciez pas cette personne. Cette personne peut vous plaire physiquement, c'est un fait. Mais la relation en tant que telle, elle n'est pas reliée au physique. La relation en tant que telle dépend de la qualité du lien que nous avons. Et la qualité du lien que nous avons, c'est une qualité de cœur à cœur. Il y a des personnes, regardez autour de vous, il y a des personnes qu'on peut vraiment apprécier. On ne les apprécie pas pour leur physique. Moi, je ne vois pas autour de moi qui j'apprécie pour son physique. J'apprécie la personne pour que ce que la personne m'apporte, pour la relation qui me nourrit quand je suis avec cette personne. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc en fait, tout ça pour dire que la relation et l'attraction avec l'autre n'a rien à voir avec l'état de votre physique. Elle a à voir avec votre rayonnement. C'est différent. Avec qu'est-ce que vous rayonnez en vous et comment vous voyez qui fait que. Mais c'est un vaste sujet, hein. C'est vraiment un vaste sujet parce que plus je vibre de « je me vois belle comme je suis, je m'aime vraiment comme je suis » et plus les autres me voient belle, vraiment, vraiment, puisque tout est vibratoire. Donc je vous dis ça parce que je partage un petit peu aussi, c'est que c'est vrai que avec tous les complexes physiques que j'ai pu avoir, bon, j'ai eu un gros travail à faire à un moment donné, donc ça c'est sûr, mais... Après mon effondrement, j'ai rencontré que des hommes beaux, vraiment. C'est rencontrer un mannequin, rencontrer des hommes qui sont très élégants et beaux physiquement, vraiment. Donc du coup, waouh quoi. Et je me dis, je pensais qu'il n'y avait que de très belles nanas qui pouvaient être avec ces hommes-là. Mais ça n'a rien à voir. Moi, au-delà de mes 1m65, avec mon visage tel que je suis... Et en fait, je me dis, waouh, qu'est-ce qui fait que la relation, elle se fait en fait. Matt, tu te moques pas de moi, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que c'est moi qui choisisse plutôt qu'une autre nana, quoi? Pourquoi moi? Et en fait, quand je leur pose la question, la réponse, elle est très, très, très intéressante. Parce que cette beauté-là, ils la voient vraiment. Ils la voient à travers ce que je rayonne, à travers ce que je vibre, à travers ce que j'émane de moi. Vous voyez? Donc là, j'ai compris que
ça c'était une force puissante, hein. Du coup je me suis dit, quand il est là, maintenant je rencontre quelqu'un, je me dis, je sais quoi faire. Oh mon Dieu, si vous pouvez passer ça, ça pouvait être très bien. Je radote. Ok, donc, tout ça pour vous dire, quelles sont les 5 étapes pour surmonter votre complexe physique. La première chose qui fait que vous considérez que vous avez un complexe physique, c'est parce que votre référentiel de la beauté est défaillante. Votre référentiel de la beauté, c'est-à-dire que vous avez une comparaison, vous avez une image de la beauté qui ne vous permet pas de vous voir vous-même par effet miroir. Donc, c'est ça que vous avez besoin de changer. Donc, la première étape, vous posez votre référentiel de la beauté. Qu'est-ce que c'est? Vous allez mettre 5 points, 5 points qui définit pour vous qu'une personne est belle. Est-ce que vous pouvez énumérer 5 points qui pour vous fait que vous dites une personne est belle pour moi parce que, et vous pouvez mettre 5 points. Et ça, c'est hyper important. Selon vous, la beauté pour vous, c'est quoi? Vous allez voir que la manière dont on représente la beauté, ça, elle est très unique. Donc moi, ce que je veux faire, vous allez pouvoir faire ça chez vous si vous avez envie. Mais moi, pendant qu'on parle, je vous laisse peut-être quelques minutes, vous pouvez déjà, quels sont les 5 points qui fait que vous rencontrez quelqu'un, vous dites cette personne, elle est vraiment belle à vos yeux. 5 points. Donc à partir de là, vous allez constituer votre référentiel de la beauté. Et moi, je vais vous partager les 5 points pour moi, par exemple. Les 5 points pour moi, pour moi, une personne est belle quand il y a de l'élégance, quand il y a du goût, quand il y a du raffinement. J'adore ça. Je trouve qu'une personne est belle quand elle rayonne de la joie de vivre. La joie de vivre, du coup, l'humour, parce que c'est vraiment top de rire ensemble. Une personne, je trouve, est belle quand elle rayonne de la simplicité aussi. Oui, parce qu'on peut être un canon de beauté physique, mais la simplicité, c'est quand même important aussi pour moi. N'hésitez pas à mettre votre commentaire hein, aussi. vous pouvez. Une personne est belle pour moi aussi quand la personne est empathique, parce qu'une personne qui n'a pas d'empathie, ça passe pas trop. Et une personne est belle pour moi quand elle a aussi le cœur sur la main, quand il y a une générosité. Donc, vous allez très vite constater que quand vous allez énumérer les 5 critères, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais quand vous allez énumérer les 5 points qui fait qu'une personne est belle pour vous, en fait, moi, je réalise qu'à chaque fois, ou dans tous les ateliers que j'ai faits, les 5 points, c'est des beautés intérieures. Ça veut dire que votre référentiel de la beauté lui-même vient de beauté intérieure. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais je vous partage à l'unanimité. C'est vraiment ça. Sinon, le gars qui dit « j'en ai plus, super, je suis super canon, je rayonnante, souriante, avenante. » Eh ben, dis donc, magnifique, génial. Donc, ça, c'est la première chose. Vous posez votre référentiel de la beauté et vous constatez que votre référentiel de la beauté répond à certains critères qui sont vraiment personnels. D'accord ? La majorité du temps, on constate que ce référentiel-là rejoint vraiment des beautés intérieures. La deuxième étape que vous allez faire, une fois que ce référentiel-là est fait, comparez ça à vous. Vous allez faire comparer ce référentiel à vous. C'est-à-dire, reprenez point par point. Par exemple, moi, j'ai dit le premier point, c'est que pour moi, quelqu'un de beau, c'est quelqu'un qui est à la fois élégant, qui a du goût et qui est raffiné. Est-ce que moi, Armelle, je suis élégante, raffinée? Et est-ce que j'ai du goût? Oui. Deuxième chose, le deuxième référentiel de la beauté pour moi, c'est que la personne rayonne de la joie. Est-ce qu'Armelle, elle rayonne de la joie? Oui. Donc, faites une comparaison et revenez à vous. Et à partir de là, vous allez vous dire, quelle conclusion vous donnez en fait? C'est-à-dire que vous allez réaliser, je vous le souhaite, que vous correspondez totalement au référentiel de beauté que vous posez. Si vraiment vous rejoignez le plus de points possible, vous allez tout simplement réaliser que selon le référentiel de la beauté pour vous, ben vous êtes déjà beau ou belle.
Et moi, quand j'ai fait ça, quand j'ai constaté ça, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je me compare aux gens. Dans mon espace, dans mon monde à moi, dans mon espace de vie à moi, selon mon référentiel de la beauté, en réalité, je suis belle selon mon référentiel de la beauté. Donc, tout est nickel, en fait. Il n'y a pas d'acné, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de visage. Non, on est loin de tout ça. Donc, je me suis dit, ouais, je réunis pas mal de points. Et s'il y a des points manquants, ça veut dire que vous avez besoin de porter un accent sur ces points-là et vous occuper, porter une attention sur ces points-là. Voilà, c'est tout. Mais vous allez voir que déjà, vous allez vous tranquilliser, que vous racontez des cracks, en fait, des histoires concernant vos complexes physiques, parce que vous mettez le problème là où il n'est pas. La beauté que vous recherchez, selon votre propre référentiel, vous allez voir que vous y êtes. Je vous le dis tout de suite, je vous annonce tout de suite, parce que tous les ateliers que j'ai faits, les gens étaient surpris de réaliser que, en fait, ils se pensaient pas beau du tout, pas beau ou pas assez, et qu'ils ont réalisé complètement qu'ils l'étaient pleinement. Pleinement. Donc, la troisième étape qui est importante, c'est rentrer dans... Faites un rituel d'intégration. Donc, j'ai fait un live sur les rituels d'intégration parce que c'est important d'intégrer cette nouvelle information dans vos mémoires cellulaires. D'accord ? Maintenant que vous avez constaté que ça y est, waouh, j'ai réalisé que je correspond totalement à mon référentiel de la beauté, c'est génial. J'intègre ça. Et tranquillisez-vous parce que quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un qui va adhérer, qui va voir, qui va, comment dire, vous rejoindre dans votre référentiel de la beauté. Vous n'avez pas besoin de rechercher quelqu'un qui voit autre chose. La question, c'est juste, je vais rencontrer quelqu'un, est-ce qu'il est sensible à ce référentiel de la beauté que je suis, en fait. Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à l'autre ou par rapport au regard de l'homme. La question n'est pas de plaire à tous les hommes. La question, c'est de plaire à l'homme qui va voir ta propre beauté. C'est ça la question. Moi, j'ai une beauté particulière, singulière, qui est moi. Cette beauté-là, je la reconnais. Je la reconnais. Moi, Armelle, je sais qu'elle est là. La question qui se pose aujourd'hui, si je rencontre quelqu'un, c'est de vérifier s'il a les yeux bien grands ouverts pour voir que cette beauté-là, elle est là. Donc, je suis juste en train de constater si en face de moi, j'ai un aveugle, un borne ou un voyant. C'est tout. Et à partir de là, la question n'est pas est-ce que je plais ou je plais pas. Non, la question c'est est-ce que tu me vois complètement ou pas. Est-ce que tu vois cette beauté que je suis ou pas. D'accord. Et la question aussi c'est est-ce que vous êtes prêt à honorer cette beauté qui est en vous. Parce que personne ne le fera à votre place. C'est ça le truc. Quel que soit ce qui correspond pas, si moi je ne suis pas prêt à accepter mon visage avec ce qu'il a été, qui va le faire à ma place? Personne. Donc moi j'ai besoin déjà d'être astucieuse. C'est pour ça que vous allez me voir, je porte toujours des boucles d'oreilles. Pourquoi? Parce que j'amène le regard quelque part. Je ne veux pas qu'on amène le regard sur le visage, donc je l'amène sur un autre, sur un autre chose. Et ça marche. D'accord? Donc, après le rituel d'intégration, parce que vous avez besoin de vous imprégner de ça pour changer de réalité, pour changer d'histoire que vous vous racontez, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? La quatrième étape qui est importante pour surmonter vos complexes physiques, c'est de garder à l'esprit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Que l'amour et l'appréciation que les gens vont avoir de vous ou que vous allez avoir sur les gens n'est pas posé sur la beauté physique. Vous fréquentez quelqu'un parce qu'il est beau ou vous fréquentez quelqu'un parce que vous vous sentez bien en présence de cette personne? Vraiment. Mettez-vous à la place. Est-ce que vous fréquentez quelqu'un juste parce qu'il a une bonne plastique ou parce qu'elle est canon? Ben, à un moment donné, je pense qu'on se fait chier, quoi. Sérieux? Il faut dire les choses qui muent, non? On est avec quelqu'un, on se sent bien parce que on est relié de cœur à cœur. Donc, la qualité de la relation de cœur à cœur, c'est ce qui fait qu'on se sent aimé ou qu'on aime quelqu'un. Donc, ça n'a rien à voir avec le physique.
Ça n'a rien à voir avec le physique. Donc, vous avez peut-être besoin de remettre proportionnellement cette notion du corps par rapport à votre intériorité. Parce que on cherche tous à être aimé. Mais l'amour, c'est un lien de cœur à cœur. Mais on ne parle pas de physique, là. On ne parle pas de ça du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, tranquillisez-vous. Je veux dire, optimisez. Mettez le bénéfice là où c'est le plus important. Et plus la beauté intérieure est magnifique, et plus on rayonne. Et ça, c'est un réel potentiel, hein, croyez-moi. C'est un réel potentiel, d'accord? Après, se sentir bien dans son corps, c'est magnifique aussi. C'est magnifique aussi. Mais si vous voyez dans votre référentiel de beauté que vous y êtes, tranquillisez-vous vraiment. Voilà. Et la cinquième étape qui est importante aussi pour surmonter vos complexes physiques, je l'ai fait en séance individuelle cette semaine et j'ai trouvé vraiment ça super puissant. Et j'ai vraiment envie à cœur de vous partager ça. C'est vraiment de vous poser la question. Qu'est-ce que ces complexes physiques-là vous ont apporté de positif dans votre vie et de constructif dans votre vie? Il s'agit là d'une patiente qui est venue, qui c'était vraiment compliqué parce qu'elle s'est dit, ben, depuis qu'elle est petite, elle a eu des moqueries parce qu'elle était un peu ronde. C'est sûr qu'elle est en rejet de son propre corps, du coup, puisque son propre corps et l'origine du rejet qu'elle a vécu. Et du coup, la première chose que je lui ai dit, j'ai dit, est-ce que tu peux me dire quels sont les 5 points de l'avantage d'avoir vécu cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a fait gagner aujourd'hui, toi, par rapport à la femme que tu es? Elle a été surprise, elle ne s'y attendait pas. Et quand elle a mis les 5 points, je vous promets qu'elle a été en larmes. C'était des larmes de joie. Elle a réalisé que waouh, à quel point ça l'a permis de grandir, à quel point ça l'a permis d'être la femme qu'elle est aujourd'hui. C'est une femme qui est magnifique, qui a réussi professionnellement. C'est génial en fait. Donc moi je vais vous partager ce que ça m'a fait gagner, hein, aussi. Cette expérience difficile de cette réconciliation physique qui n'a pas été simple pour moi au départ. Mais cette expérience, elle m'a permis de développer ma beauté intérieure. C'est vrai que vu que je n'étais pas belle de l'extérieur, je me suis dit, je vais faire l'inverse de tout le monde. Je vais faire en sorte d'être quelqu'un de... C'est pas quelqu'un de bien aux yeux des autres, mais d'être, oui, être joyeuse, être en paix, retrouver vraiment cette beauté intérieure. Voilà, de quelque chose qui éclore vraiment à l'intérieur de moi. J'ai misé là où je me dis, ben voilà, au moins je serai vraiment une nana, voilà, avec qui on aime être. Et du coup, grâce à ça, ben, j'ai fait tout ce travail sur moi. Je pense que la raison pour laquelle je peux vous accompagner de cette façon-là avec tant de justesse aujourd'hui, c'est parce que j'ai exploré vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, ça m'a permis de faire ce métier, d'être là où j'en suis aujourd'hui aussi. Et je crois que ça m'a permis aussi de vouloir l'excellence. Mais vraiment, le perfectionnisme et l'excellence, elles viennent de là. Parce que je me suis dit, si je n'ai pas réussi sur ce plan-là, sur le plan physique, je pense que je vais pouvoir avoir une répercussion ailleurs en réussissant dans tout ce que je fais. Et c'est vrai que dans tout ce que je fais, j'ai toujours essayé de... Les gens qui me connaissent, j'ai été prof de salsa, voilà, il a fallu que je sois la meilleure danseuse, il a fallu que je sois la meilleure prof, et vraiment je l'ai fait parce que c'était important pour moi de l'être. Aujourd'hui, je suis thérapeute, je suis à fond, je suis engagée, voilà, dans tout ce que je fais, mais je pense que c'est aussi grâce à tout ça. Donc, voyez-vous, quelle expérience positive de ce que ça construit aujourd'hui. Aujourd'hui, juste posez-vous et prenez conscience de tout ça. Voilà. Donc, voilà, donc, voilà, les 5 étapes sont faites. Diane qui dit la meilleure prof, c'est sûr. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai fait une pédagogie qui est aussi mienne. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser là. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qui vous a parlé le plus? N'hésitez pas à me le dire.
Si vous, vous avez envie de travailler certains sujets qui vous touchent, rétablir votre confiance en soi, il y a un atelier collectif dessus que je vous conseille vraiment à faire. Ceux qui l'ont participé ont vraiment eu aussi un switch, vraiment un regain de confiance en soi qui est vraiment super. Mais là déjà, il y a les séances individuelles qui sont là. Je suis disponible et je vous accueille dans mon cabinet à Nice ou à distance par Skype. Donc si vous voulez sortir des situations répétitives ou travailler cette réconciliation avec votre corps, la confiance en soi aussi, l'estime de soi, vous êtes les bienvenus. Voilà. Autre chose, là on parle du corps. J'ai proposé, je l'ai mis en ligne aujourd'hui, un atelier qui est un programme sur 10 semaines qui est Mincir naturellement, qui est un programme anti-régime, voilà, et qui vous amène dans le respect de votre corps à perdre du poids, à rétablir votre poids d'équilibre, voilà, donc c'est un challenge, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous partager, parce que moi ça fait plus de 20 ans que mon poids est stable. Et je me fais plaisir tous les jours, je mange ce que je veux, autant que je veux. Je n'ai aucune limitation alimentaire et pourtant, mon corps stabilise tout. Et on va me dire, oui, mais c'est génétique, oui, mais non en fait. Votre corps est votre meilleur compagnon. Mais quand on décide de faire un régime, on décide de faire du sport intensif, on somme le corps à maigrir et on n'est plus en collaboration avec. Donc, le programme va vous amener à avoir une approche beaucoup plus respectueuse, écologique, douce, à l'écoute de votre corps, dans la confiance totale de votre corps, pour vous permettre, justement, de retrouver votre poids de base. Voilà, tout en douceur. Et il y a aussi un module sur le fait de se réconcilier avec son corps, tel que vous êtes, vous aimez, tel que vous êtes. Donc il y a pas mal d'exercices comme ceux que je vous ai partagés là aujourd'hui qui vont être faits ensemble. Alors c'est un programme qui va être limité, vous serez 6 personnes vraiment, de façon à ce que je puisse vraiment m'occuper de vous, et ça commence du 29 mai au 14 août. Donc inscrivez-vous, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, tout est là. Voilà. Sinon, il y a pas mal, j'ai aussi sur mon site internet qui est nouveau, qui est sorti aussi, il y a plein de formations en ligne qui sont là à votre disposition, donc n'hésitez pas à les voir. Il y a des soins d'auto-guérison pour les personnes qui ont du mal à se séparer, il y a des formules, des packaging en séance individuelle, 28 jours pour oublier, c'est top ça aussi, ou concrétiser vos rêves, donc ça c'est génial, c'est pour vous booster à faire de l'impossible le possible. Donc, n'hésitez pas à y aller, soyez curieux. Donc, le site a été construit en mode Netflix pour les formations en ligne. C'est comme en mode Netflix. Vous voulez une conférence, vous avez une série de conférences. Vous voulez des soins d'auto-guérison, de méditation, vous en avez une série. Pour les douleurs physiques, pour les nettoyages des empreintes sexuelles aussi, en cas de séparation, quand vous avez des difficultés pour la séparation. Vous avez aussi pour le nettoyage des émotions. Vous avez aussi une rangée pour des process d'accompagnement. Ça, le process en question équivaut à une séance avec moi. Donc, du coup, vous avez une trame qui est intéressante. Et puis, vous avez des programmes sur libérer vos émotions, libérer des souffrances émotionnelles, dans lequel, voilà, si vous avez envie de sortir de toutes ces émotions qui reviennent en boucle. Et puis, il y a sur l'abondance financière. Je vous en ai parlé la dernière fois. Donc, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Je vous écoute. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus parlé dans ce que je vous ai partagé aujourd'hui concernant les complexes physiques? Matt, tu me fais trop rire. Diane, il y a Matt qui est là. Matt, il y a Diane qui est là. Ok, donc, qu'est-ce qui vous a le plus parlé dans ce que je vous ai dit aujourd'hui? N'hésitez pas à poser si c'est à moins que c'est bon pour vous. Mais juste, qu'est-ce qui vous a... Une phrase, un mot, qu'est-ce qui vous a le plus parlé?
histoire que je puisse un peu aussi être avec vous. Alors, Christelle qui me dit, très intéressant de se poser et réfléchir à notre vision de la beauté. Effectivement, effectivement, effectivement. Parce qu'il s'agit de ça, en fait. Il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Revenir vers ton référentiel de la beauté. Et chacun a son référentiel de la beauté. Mon référentiel de la beauté est certainement différent du tien. Ce qui est intéressant, c'est juste, est-ce que moi, je suis connectée à mon référentiel de la beauté? Parce que rencontrer quelqu'un ou attirer quelqu'un à soi, c'est plus une question de, est-ce que la personne est touchée par la beauté, par mon référentiel de la beauté, par la beauté que je suis? C'est ça la question. Mais il ne s'agit pas de plaire vraiment à tout le monde. Alors, c'est intéressant parce que quand j'étais pas en confiance avec moi-même, j'étais vraiment très inconfortable de sortir avec des copines des bombasses, quoi. Parce que franchement, je sortais en soirée, elles se faisaient draguer, moi pas du tout. C'était vraiment pénible pour moi au départ. Et puis finalement, j'avais des sentiments de jalousie vis-à-vis d'elles. J'ai même eu parfois des conflits aussi. Donc franchement, c'était pas confortable. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon là, il faut vraiment que je change les choses moi. Et c'est vrai que depuis que je me suis réconciliée avec mon corps, vraiment, et que la confiance en soi est là, l'estime de soi, elle est là, aujourd'hui, je ne tremble plus, en fait. Je peux sortir avec quelqu'un qui peut être, oui, certainement très, très, très joli. Moi, je sais que dans mon référentiel de la beauté à moi, j'en fais partie. Je rentre dans les clous. Donc, c'est tout ce qui compte pour moi. C'est que dans mon référentiel de la beauté, je suis belle. Selon mon critère, à moi, j'y suis. C'est ça qui compte. Voilà. Ah, d'accord. Matt qui me dit, on va faire une thérapie ou bleu. 28 jours pour oublier avec Diana. Ben, bienvenue. Je pense que ça va se transformer en apéro plutôt. Mais bienvenue. Toi, tu me fais rire. Ok. Laure. Que je suis déjà belle selon mon critère. Oh, attends, on voit que tu as fait le progrès, tu l'as commencé à le faire à l'atelier. Je suis belle selon mon référentiel et déprogrammer l'image de ma mère au régime non-stop. Ah oui, ça c'est émotionnel chez moi. Ah oui, ça c'est un héritage à déprogrammer en effet en fait. Parce qu'il s'agit d'habitudes développées, mais en fait, ce qui serait intéressant, c'est intéressant parce que du coup, la question de si tu maintiens le régime, qu'est-ce que ça nourrit en toi dans ton rapport avec ta mère? Donc, c'est ça qui est intéressant à voir. C'est-à-dire que si toi, tu maintiens le régime, qu'est-ce que ça nourrit en toi? Je pense que tu devrais te poser vraiment cette question-là. Parce que du coup, il y a un bénéfice secondaire à maintenir le régime. Donc, pour que le régime soit maintenu, il faut bien que tu aies une prise de poids. Sinon, tu ne peux pas jouer ce jeu-là, Laure. Donc, je pense que c'est intéressant d'aller voir là, par là, en fait. Alors, petite fleur qui se cache derrière ce... Être à l'écoute de notre corps, de nos ressentis et de notre propre référentiel de la beauté. Ok, c'est ce qui te parle. En effet. En effet, en effet. Et en fait, pour rajouter ce que tu dis, c'est que c'est uniquement quand mon regard, au lieu que mon référentiel, ça soit les autres, ou elles, ou certaines femmes, ou autres, mon référentiel devient moi. Donc, plus j'arrive à me voir, plus je reconnais la beauté en moi et plus je la vibre dans mes cellules, et plus on te voit, et plus on te voit belle. C'est-à-dire que la notion de « on te voit belle » ne vient pas du fait tout simplement qu'il y ait des transformations physiques où tu te maquilles, où tu vas chez la coiffeuse. Non, on te voit belle parce que tu le vibres. C'est assez hallucinant parce que c'est fou. J'étais avec quelqu'un à un moment donné. Alors lui, c'est une bombe atomique le mec, hein, magnifique. Et, et je n'aimerais pas. Et en fait, c'est fou parce que cette personne-là était très très radin de compliments,
parce qu'elle est tout simplement très très exigeante dans son référentiel de la beauté, elle était très très exigeante. Donc il n'y avait pas de compliments gratuits. Quand il disait quelque chose, il le pensait vraiment. Et en fait, c'était fou parce que j'avais vraiment observé ça, qu'à l'instant, je me dis, wow, j'avais de la difficulté de me séparer de lui. Et je me suis questionnée, pourquoi j'ai tant de mal à me séparer de lui? Mais parce que, en fait, je me suis dit, waouh, il y a des parts de moi qui pensent que si je suis avec quelqu'un de beau, quelque part, on va penser aussi que je suis belle. C'est comme si en restant dans son rayonnement, moi aussi, je deviens belle. Ce qui est complètement absurde, hein, on est d'accord. Hein, mais bon, on fait des bullshit comme ça dans notre vie, ça nous arrive. Donc, quand j'ai observé ça, je dis, waouh, vraiment, il faut que je déprogramme vraiment ça, il faut que je change ma vibration, il faut que je réintègre vraiment la notion de la beauté en moi. Et en fait, bon, moi, je lui ai rien dit, bien sûr, donc je fais ça, hop, je travaille, on n'est plus ensemble, super, mais on est proches parce que c'est quelqu'un avec qui je suis restée proche, avec qui j'ai de bonnes relations. C'est fou, parce qu'aujourd'hui, je reçois des compliments de cet homme incroyable, mais incroyable. Que cet homme puisse dire, Armelle, tu es une belle femme, waouh, moi, je me dis, waouh, incroyable. Mais en fait, ce n'est pas un miracle. Ce que je voudrais vous dire par là, c'est que vous n'allez entendre de l'extérieur que ce que vous dites à vous-même, à l'intérieur de vous. Si vous avez envie qu'on vous voit belle, si vous avez envie qu'on vous voit bonasse, excusez-moi, vous avez besoin de le reconnaître, vous avez besoin de vous le dire assez à l'intérieur de vous, comme une conviction réelle et profonde, bien installée, comme une évidence, sans attendre qu'on vous le dise, et vous allez voir qu'à ce moment-là, on va vous complimenter. C'est un truc de fou. Mais c'est trop génial quand ça arrive, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, Armelle, you did it. J'ai guéri de ça. Et j'ai vraiment, il m'a donné la validation que c'était bon pour moi. Vraiment. Alors, Laure qui me dit merci, c'est de tout cœur, Laure, comme toujours. Voilà, super. C'était chouette d'être avec vous, comme tous les jeudis. J'aime être là, partager ce moment avec vous. Vous partagez ce qui m'a fait du bien, les astuces. Bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin, comme Laure, là, il y a un sujet intéressant. Bah, si tu veux faire le programme, Laure, tu m'as déjà montré tout l'intérêt. Tu n'hésites pas à t'inscrire. Oh mon Dieu, Matt qui dit, ça aide un peu à relancer la machine, c'est ça même. Je te réponds un peu en créole, c'est ça même. Voilà, super. Prenez bien soin de vous les amis. Prenez bien soin de vous les amis. Moi, je suis très contente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. En séance individuelle, c'est à distance par Skype ou au cabinet. Il n'arrête pas, Matt. Il dit, le fait que quelqu'un nous envoie des compliments bienveillants. Ah, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien. Moi, je les reçois avec tellement de... Ouais. Et je me félicite hein, parce que je me dis, oui, c'est parce que je le vibre. Parce que si je ne le vibrais pas, niente, j'aurais rien du tout. Rien du tout, j'ai eu avant. Rien du tout. Franchement, l'adolescence, c'était rien. Donc là, c'était vraiment super. J'apprécie. Merci beaucoup, Christelle. Merci, Matt. Prends bien soin de toi, mon ami. Fanny, ouais, tout le monde. Petite Fleur, Laure. Merci de votre présence, Catherine. J'espère que ce live, tu es arrivée après, mais tu peux la visionner en replay. Chinolga, je ne connais pas ton prénom, mais je suis vraiment contente de te voir chaque fois. Ça me fait plaisir de te savoir là, en tout cas. Voilà, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle fait sens pour vous, parce que je pense que c'est un sujet qui nous concerne. C'est l'été, sortir en maillot, wow, les complexes physiques. Je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes, en tout cas. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous, de votre corps. Écoutez-le, chérissez-le, aimez-le. Personne ne le fera à votre place. Vous saurez le faire de la meilleure façon que ce soit. Bye bye, bye bye. Au revoir tout le monde.